Dimanche le 10 novembre 1969, finale de football intercollégial section B. Les Géants de Saint-Jean, qui en sont à leur première année et qui ont remporté le championnat de la Ligue, rencontrent les Diablos de Trois-Rivières. Le football, tel que pratiqué ici, est une évolution américaine du rugby et du soccer européen. Il est en fait plus qu'un sport. Le football a une valeur hautement éducative. On y fait l'apprentissage des éléments essentiels de la vie. La stratégie toujours présente et qui constitue l'attrait principal de ce sport développe l'intelligence. La force, l'endurance, la rapidité sont les principales qualités physiques de celui qui pratique ce sport. La persévérance et le travail d'équipe forment le caractère de l'adepte de cette discipline. On se doute un peu que l'on n'aurait pas organisé ce sport au collège dans le seul but de remporter un trophée. L'apprentissage de la vie par ce sport valait toutes les peines d'organisation matérielle et de recrutement qu'ont dû se donner les responsables de l'équipe. Le problème auquel avait à faire face le responsable de l'équipement était les suivants. L'équipe était composée d'environ 35 joueurs pour chacune des parties. L'équipement de chaque joueur se compose d'une douzaine de morceaux qu'il faut préparer, entretenir, réparer à l'occasion et transporter à chaque rencontre et à chaque pratique. En plus, il faut s'occuper de l'équipement général, glace, eau, serviettes, trousses de premiers soins, sans compter la préparation du terrain pour la joute et les costumes des cheerleaders. Un des aspects importants de l'organisation de l'équipe était le recrutement. Il a fallu contacter des joueurs durant les vacances, l'équipe en était à sa première saison, et leur faire signer des contrats. Le nombre restreint de joueurs a rendu difficile les premières pratiques. André Petit, responsable du service aux étudiants, a donné son appui sans réserve à Lévi Lessard qui s'est occupé de cette tâche. Un noyau de joueurs connus a permis aux responsables du club d'être optimistes quant à l'avenir de leur équipe. Denis Marchessault, Fernand Véronneau, Fernand Archambault, Bruno Gay, André Vigneault, Jean-Jacques Saint-Jean, Paul Dagenais, Mario Pépin, Jean Comeau, Clément Bédard, Marc-André Lucier, Pierre Foisy, Normand Turcotte, Gilles Pelletier, Léo-Pierre Ostigui, François Leduc, Jean-Guy Gélina, voici quelques-uns des joueurs qui ont assuré le succès de l'équipe dès sa première saison. Est une étudiante en technique infirmière. Elle aime la danse. Elle faisait partie de l'équipe des cheerleaders pour le football. Hélène Recitaire fait aussi partie de l'équipe des cheerleaders
Elle s'est signalée dans la pratique de plusieurs sports. Le handball, le basketball, le volleyball. Elle s'intéresse aussi au folklore et plusieurs ont eu l'occasion de la voir dans différents spectacles. Pourquoi t'es-tu présentée comme duchesse à l'occasion du festival organisé en l'honneur des géants? Eh bien, je me suis présentée parce que j'aimais beaucoup ce club de football et le football en général. Est-ce que, au moment de te présenter, tu croyais en tes chances d'être choisie reine? Eh bien, j'avais 33% et un tiers de chance. C'est vraiment bien. Est-ce que c'était ta première expérience? C'était ma première expérience dans ce domaine et puis j'ai bien aimé cette expérience-là. Comme reine des géants, tu crois pouvoir apporter la chance aux joueurs pour l'importante partie de dimanche? Bon, voyons, est-ce qu'on douterait de mon influence? Puis après tout, est-ce qu'on n'a jamais vu une femme faire perdre une bataille importante? Bonne réponse. Petite question un peu plus délicate. Est-ce que, dans cette équipe, tu as un joueur préféré? Est-ce qu'on me pose cette question-là en tant que reine ou en tant que femme? Oh, disons que je vais être discret, je vais te poser la question en tant que reine. En tant que reine, j'affectionne
tout particulièrement les joueurs qui restent au moins trois quarts de partie sur le banc. La partie de championnat entre Saint-Jean et Trois-Rivières s'est jouée à Marieville, petite ville propre, paisible et très sportive, située à 10 000 de Saint-Jean. Mais pourquoi Marieville? Marieville représentait d'abord un terrain neutre. Ensuite, les jeunes de cette ville sont des mordus du football. Troisième facteur non négligeable, plusieurs joueurs de l'équipe résident à Marieville. La ville possède un beau terrain qui peut accueillir beaucoup de gens. L'éclairage du terrain est excellent. Et les supporters de Saint-Jean peuvent s'y rendre facilement. Les Diablos de Trois-Rivières possèdent un club bien équilibré et très mobile. La fiche du club est la suivante. 8 victoires, 2 défaites. Les Diablos ont subi leurs 2 défaites contre Saint-Jean par les pointages de 13-3 et 33-30. Quant à Saint-Jean, sa fiche est identique à celle de Trois-Rivières. Les Géants ont subi eux aussi 2 défaites aux mains de Sainte-Thérèse et de Joliette. Mais Saint-Jean a remporté le championnat à cause du plus grand nombre de points. Coup d'œil dans la chambre des joueurs nous permet d'observer dans leurs préparatifs d'avant la partie quelques-uns des athlètes qui ont conduit les Géants au championnat. Guy Sévigny, André Giguère, Robert Vinette, Gilles Ménard, Denis Dubuc, Jean-Guy Chouanière, Pierre Robert, Claude Vien, Yves Martel, Pierre Brunel, Gilbert Dupuis, Francis Mailloux, Serge Maillé, Jean-Pierre Martineau, Pierre Landry, Michel Mona, Vincent Moreau, Serge Mona, Richard Brault, Pierre Paradis et Jean Besset. Physique tout à fait spéciale et une forte musculation. L'entraînement pré-saison vise à la mise en condition des joueurs. Chacun devra être apte à pratiquer un sport où les contacts sont fréquents et parfois violents. Avant chaque joute, il est nécessaire de bien préparer l'organisme pour un effort soutenu durant les 60 minutes que durera la joute. D'où nécessité d'un réchauffement musculaire et organique sérieux. Bases acquises, position à trois points d'appui, le blocage, les échanges de ballons, les instructeurs doivent travailler la synchronisation entre les joueurs afin que chacun accomplisse sa tâche au moment précis où il doit l'exécuter. Travail long et astreignant, mais seul gage de réussite. Au football, tout est dans la précision du jeu d'ensemble.
qu'on augmente un bloc, une feinte, une remise de ballon et le jeu avance. Qu'un des 12 joueurs en place parte trop tôt ou trop tard, il n'y a plus d'attaque possible. On comprend donc la minutie avec laquelle chaque geste est pratiqué, répété, repris inlassablement à chaque pratique et avant chaque jeu. Fondamentales d'une bonne défensive sont le temps de réaction, l'anticipation des jeux, la vitesse, la robustesse et l'aplomb. Cependant, seul un travail d'équipe bien synchronisé permet d'avoir une défensive efficace. À chaque partie, plusieurs formations défensives doivent être connues, car il ne faut pas oublier que chaque formation offensive adverse commande une défensive appropriée. De plus, chaque joueur doit connaître son rôle pour chaque formation. Les dirigeants de l'équipe des Géants ont voulu souligner par différentes manifestations le championnat de leur équipe. Une parade dans les rues de Maryville faisait partie des festivités. Présidé au botté d'ouverture. Jean Lacasse, président de la ligne intercollégiale, fait le botté. Marc Marsan, publiciste. Jacques Laberge, directeur des services pédagogiques au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Jacques Laflamme, directeur général. Et Yves Paquette, directeur athlétique.
Trois-Rivières vont remporter la victoire dans cette première classique de la section B de la Ligue intercollégiale de football. L'équipe trifluvienne était mieux préparée physiquement et mentalement. Les joueurs ne semblaient pas influencés par leurs deux défaites durant la saison aux mains des Géants. Leur désir de vaincre s'accentuait au fur et à mesure que la partie avançait. Quant aux Géants, ils ont peut-être pêché par excès de confiance à la suite de leur victoire contre les Diablos durant la saison régulière. Saint-Jean n'a pas su profiter de la faiblesse adverse, surtout lorsque l'équipe était près des buts. Un manque de synchronisation dans les jeux clés a influencé grandement le pointage final.